la vie de Christ dans un homme. Produire les œuvres de Christ, le Saint-Esprit dans un homme. Produire un chrétien, jamais pas. Quand je veux parler au lys, il prend ma bouche. Autre, car chaque semence. Pour annoncer tes oracles et proclamer tes oracles au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon ami Bariki. Nous pouvons prendre les passages que nous sommes en train d'étudier ces derniers. Parce que nous continuons avec notre sujet. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 25. Du premier verset au 13e. Et puis nous lirons dans Apocalypse chapitre 19, du 7e verset au 9e. Matthieu 25. On lit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme les époux tardaient, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux.
aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Apocalypse 19, le 7e au 9e verset. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Nous asseoir. Notre sujet, parlons du dernier réveil avant l'enlèvement de l'épouse de Christ. Le dernier réveil avant l'enlèvement de l'épouse de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons que chaque génération a eu son réveil. Chaque génération a eu l'occasion de recevoir la parole. L'occasion de retourner à la pure parole. Et cet âge, l'âge de l'Odyssée, a aussi eu un grand réveil. Le dernier. Parce que cet âge est le dernier âge. Alors, le réveil qui a eu lieu aujourd'hui, c'est le réveil de l'épouse. C'est l'épouse qui est appelée. C'est l'épouse qui est réveillée. Dieu appelle une épouse. Ce n'est plus l'église. Il appelle une épouse pour porter son nom. Alors quand frère Branham a commencé à prêcher en 33, depuis cette année-là, un très grand réveil a éclaté et a balayé le monde entier. Il y a eu des feux de réveil partout dans le monde. Et cela a suscité des grands évangélistes. Des grands évangélistes. De Billy Graham. Billy Graham. Oral Roberts. Oral Roberts. Tony Osborne. Tony Osborne. Billy Sunday. Billy Sunday. Des grands évangélistes. Ils ont été suscités par le réveil de l'épouse. Mais seulement ils sont partis. Mais ils n'ont pas reconnu que ce réveil, c'était le réveil de l'épouse. Ils sont partis. Amen. Amen. Chacun était comme une boule de feu. Partout où le Saint-Esprit l'a conduit, comme Billy Graham, il pouvait entrer dans une ville ou dans un pays. Il entre, il fait beaucoup de convertis. Des milliers de gens viennent. Ils croient.
Banamini. Ils prennent même le baptême. Banabatizi ou atako batizi. Au nom de Jésus. Mujina ya Yesu. Et quand il revient même une année après dans cette ville, wakati banarudi akisha mwaka ingine mwile muji, de tous ces milliers là, mwile maelfu yote, il ne reste peut-être qu'un petit groupe peut-être de 20 personnes. Kutabake sasa ine kundi kiloga abato ataba 12. Frère, maman dit pourquoi ça? Tukuna maana sema ni juu ya nini ile? Parce que ni kwa sababu ces évangélistes là, bale bapasha injili, n'ont pas eu un message du remplissage. Aba kupate ujumbe ya ujazo, ya ujaza na manafsi. Frère, Nduk, même vous, Atawe, vous pouvez faire des années, vous avez cru le message, vous fraternisez avec ce message, vous sympathisez avec le message. Si le Saint-Esprit n'entre pas en vous, au bout de quelques temps, on va vous ramasser en dehors du message. Vous allez vivre comme le reste du monde. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas en. C'est le Saint-Esprit qui change votre nature. C'est le Saint-Esprit qui fait de vous un chrétien. C'est par le Saint-Esprit que vous naissez de nouveau. Amen. Amen. Sinon, on va vous retrouver en train de faire des fétiches. Je me rappelle un cas d'un frère avec qui nous étions en Bujimai. Un frère Nduku qui était puissamment utilisé dans la maison des dons. Avec un bon don de prophétie. Il prophétisait des choses correctes. Mais un jour, quand le pasteur André était allé aux États-Unis, nous étions restés avec le pasteur Ilungamukubi. Alors, dans la maison des dons, nous avions une réunion dans une juridiction. En ce moment-là, c'était dans la juridiction de l'honorable qui est même décédé dernièrement, Kita Mwengula. Ce précieux frère avait prophétisé sur une sœur. Comme toutes les prophéties, tous les messages que les prophètes mineurs, les prophètes dans nos églises, quand vous donnez un message, cela doit être jugé. Mais un prophète majeur, quand tu lui dis ainsi dit le Seigneur, on ne juge pas. Même si vous ne comprenez pas, croyez. Cela va arriver. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Mais les autres ici, c'est un don de prophétie. Tu peux prophétiser aujourd'hui correctement. Satan peut utiliser ces dons. Mais un prophète majeur, Satan ne peut pas mettre sa main sur Satan. Amen. Amen. Alors il avait prophétisé. Mais il avait tapé à côté. Les autres éléments étaient justes. Mais l'année de la sœur. Belle sœur. Je me rappelle la sœur, je ne sais pas si elle avait 18 ans ou. Mais elle a donné. Les années. Les autres choses étaient justes. Les autres fausses. Quand on a jugé, on a vérifié auprès de la sœur. C'était faux. On lui a dit que ce message est faux. Le Saint-Esprit qui parle. Mais c'est faux. Parce que Dieu ne se trompe pas. Amen. Amen. Comme moi, j'ai 52 ans. Ça, ça a mis à peine on a mis à comme il t'en a mis. Dites à mon serviteur, fais comme ça. Ambiya, vous touchez au firme. Il a 60 ans. Et on a mis à comme il cite. Ça, il, c'est faux. Mais à bon. Et il commence à arracher. Non, c'est peut-être quand il aura 60 ans. Non, non. À cause de tes pas nécessaire. Tu as dit au présent. Il a 60 ans. Et il fasse ceci. Ce matin, il a fait ça.
Le mot là, il a 60 ans. Il est moussé, mais toi, on a mis à ma commission. Rend tous les messages faux. Il a fait un semaine au jumbe yote. Et on jette. N'a-t-on pas étoupé. C'est comme ça qu'on traite. Je vis les membres. Même les bases. Nous avons beaucoup de messages. Quand on voit dans quelque chose. Ah, t'as pas un écarté. Tu n'as qu'à manasser ma qui tu fais là, tu n'as qu'à dire ça. Oublie. Tu as un ça, boy. On doit prier pour vous pour que le Saint-Esprit vous utilise correctement. On n'a pas encore combien tu as ces marrons négatifs à coutumier qui s'en a fait. Le frère était à choper. On devait demander aller voir le pasteur. Mon père, c'est moi. Oui, donc on est pasteur. Il est à choper. À Kakwazik. Ça lui a fait le rapport au pasteur. Tu as bien pasteur. Le gamin qui l'avait appelé. Pasteur Kamuita. Non, comme c'est faux, on doit prier pour. Ça vient ni bongo, tu n'as pas encore combien. Chasser l'esprit. Moi j'ai le Saint-Esprit. Mais c'est ce que frère Banamé. C'est un joke qui le rome d'où Branham Nassé. Comme il avait refusé. Ça veut dire que Ali Katalaka. On l'avait suspendu, il ne devait plus être dans la maison de don jusqu'à ce que le pasteur André devait revenir. Bakamutosha, Munyumba Mazawadi, Bakaikoa, le pasteur André Pacha Kourodi. Et lui Naye ne venait plus à l'église. Il commençait à rester. Il se croyait très saint. Il y a des gens qui disent prier pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, tu un démon t'attrape. On ne va pas prier pour toi. On a eu ça quoi la Rome négatif. Tu as le Saint-Esprit, tu as la malaria. Tu as le Saint-Esprit, tu as le cancer. On ne peut pas prier chasser ces démons là. Malaria, on a Rome négatif, on a cancer. Abaisse ou combien tu as fusé les peuples chaf. Frère Bam dit, un homme avec le Saint-Esprit peut même attraper la folie. Le Saint-Esprit oint l'âme. Mais le corps de diable peut frapper. Alors, ça, il est resté. Akabaki. Un jour après que. On s'est promené en train de visiter les enfants de Dieu avec le diacre. On voit un attroupement. Beaucoup de gens. Batu ba ming. C'est comme le frère. Approchons-nous. Sommes allés. On a fait. Il nous voit, il voulait se cacher. Nous sommes approchés. On voit les babas là-bas. On a pas le comme on dit là, move yolo. Quoi? Nini? Et tout le monde était parti. Bateau de Bagobeshaël. Lui était resté. Dans la parcelle où il louait. Il avait appelé la petite fille du voisin qui est un baba. Akaitaka binti wa Gerard et moi apostole. Lui pensait que son père n'était pas là. Il a commencé à faire tout le monde. Il a envoyé la fille. À la tombe de Baba, je sais si c'est quoi. Nous avec une mauvaise intention. Nani il voulait violer cette fille. Maintenant, Sas. Quand la fille est venue avec ce qu'elle est allée acheter, Ana kuya na bila lenda ingi. Entre. Ingi. L'enfant est entré. Ingi. Entre ici. Kuya. Jusque dans la chambre, vous voulez aller. Et l'homme saute sur la fille. La jette sur le lit. Vous voulez la violer. La fille a crié. Alors qu'il voulait l'étouffer. Le papa a entendu. Le papa est venu. Baba kakui. Avec une machette. Na mupanga. Alors c'était une bagarre. Les gens ont accouru. C'était ça le problème. Alors on lui disait. Avec le Saint-Esprit. On dit, toi tu as refusé compris. Ça, c'est Rome Takatif. Et depuis ce temps-là, il a même quitté le message. Il est allé chez eux au village. Il est devenu chef coutumier. C'est que ce n'était pas le Saint-Esprit. Il est quoi que Rome Takatif. Les dons, vous êtes nés avec ces dons. Tu peux avoir un don sans avoir le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il peut utiliser ses dons correctement. Mais le Saint-Esprit, maintenant il est chef coutumier. Avec les fétiches de chez eux, il est chef coutumier. Vous comprenez? C'est pour vous dire que Billy Graham n'a pas le message de remplissement. Les gens viennent. Il parle puissamment. Les gens se réjouissent. Mais le Saint-Esprit n'entre pas. En lui.
quand ils partent, ils oublient la réunion. Lakini banae wakati banaenda banasabu na mkusaniko wenyewe. Et c'est pourquoi frère Branham dit, si le Saint-Esprit n'est pas en vous, Rome takatifu kama na ndani yako, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Wewe hauna mtoto wa Mungu. Les vierges folles. Awa bikira pumbe. Elles étaient vierges. Barikuwa babikira. Toutes les dix étaient vierges. Bote kumi barikuwa babikira. Cinq d'entre elles étaient folles. Batano katikatia barikuwa babafu. Et cinq sages. Batano bingire barikuwa babakira. Qu'est-ce qui les distinguait? Nikitu kani kidianza kubachani. Qu'est-ce qui faisait la différence? Nikitu kani kidibachanisha. Entre les vierges folles. Katia babikira pumbe. Et les vierges sages. Aba bikira bakili. C'est de l'huile. Ni mafuta. Les folles n'avaient pas d'huile. Mais les sages avaient de l'huile. C'est quoi l'huile? C'est le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Suivez frère Branham. Dans les dix vierges. Frère Branham dit. Au paragraphe 186. Jusqu'à 189. Eh bien, dans Romains 2:22, je crois que la Bible dit, Paul dit, si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, vous n'êtes pas de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Amen. Amen. Vous appartenez à l'organisation. Mais pas à Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, vous n'êtes pas de Dieu. Vous devez avoir l'Esprit de Dieu pour être de Dieu. Certainement. C'est ça, monsieur. Il dit, il explique maintenant les dix vierges, je parle. Il dit, eh bien, la grande tribulation, ils doivent passer par là. Rappelez-vous qu'il a dit. Permettez donc que j'aborde le reste de cela. Dans l'écriture, dans Matthieu 25. Ils furent jetés dans les ténèbres du dehors. Là où il y a des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Très bien. C'est là la grande tribulation. Amen. Amen. Laissez-moi donc reprendre cela. Il s'agit du reste. Maintenant, observez attentivement. Il dit, je saute 189. Toutes les deux étaient vierges. Vous voyez, elles avaient foi en Christ. Tous les deux groupes. Et les folles et les sages. Toutes croyaient en Christ. Amen. Amen. Vous voyez. Mnaon. Elles avaient foi en Christ. Elles avaient une forme de piété. Elles allaient à l'église. Elles faisaient de bonnes choses. Elles pratiquaient la charité. On ne pouvait rien trouver à redire à leurs œuvres et à toutes ces choses. Il est dit dans la Bible, je connais tes œuvres. Il l'a dit dans chaque âge. Je connais tes œuvres. Mais pourtant, il manque quelque chose. Amen. 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 Donc ces vierges manquaient quelque chose. Elles n'avaient pas l'huile. Amen. Amen. Elles n'avaient pas de l'huile. Dans leur lampe. Mais elles croyaient. Lakini bale amini. Elles allaient à l'église. Bakwa nenda kanisa. Elles faisaient toutes ces choses. Baraza kutenda bile bitu byote. Mais il leur manquait de l'huile. Lakini kulibakosa mafuta kubaikosewa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mais les autres avaient le Saint-Esprit. Lakini aba bengine balikuwa na Roho Mtakatifu. Et quand l'époux est venu, na wakati bwana rusa alikui. Elles sont entrées dans la salle des noces. Bakaingia mchumba ya karamu. Quand Jésus viendra, wakati Yesu atakuyaka, pour enlever l'époux, ja kunyanyua bibi harusi, il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit ni pakabale bekuwa na Roho Mtakatifu qui seront enlevés. Je batanyanyuliwa.
Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, kama auna na Roho Mtakatifu, vous ne serez pas né. Auta yanyuliwa. Il n'y a que ceux ni qui auront le Saint-Esprit. Beba takwa na Roho Mtakatifu, qui seront enlevés. Njoba tanyanyuliwa. Amen. 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 Et avoir le Saint-Esprit, c'est être un fils, une fille de Dieu. Na kwa na Roho Mtakatifu mayake kwa mtoto mwanaume wala mwanamke wa Mungu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, kama auna na Roho Mtakatifu, vous ne lui appartenez pas. Auna wake. Vous n'êtes pas de Dieu. Oui, auna wa Mungu. Vous êtes de votre père le diable. Oui, uko mtoto wa baba yako shetani. Car chaque fils est la manifestation des attributs de son père. Kwa sababu kila mtoto yuko ni kuonekanishwa kwa vipaji vya baba yake. Amen. 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 Attendez. Paragraphe 156. Il explique un peu, il essaie d'expliquer ce que nous avons dit. Donc, lisons d'abord 155. Maintenant, les cinq vierges sages. Eh bien, l'huile dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Nous le savons tous. C'est la raison pour laquelle nous soignons d'huile les malades. Et l'huile symbolise le Saint-Esprit. Les vierges sages avaient donc dans leur lampe de l'huile. Elles avaient le Saint-Esprit. Aussi étaient-elles prêtes à entrer au souper des noces. Amen. 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 Maintenant remarquez ça, c'est que tout était vierge. Laissez-moi considérer ceci. Prenons ces deux choses. Il commence à montrer des exemples. Maintenant, si vous prenez le terme vierge et que vous le vérifiez, il signifie manayake, saint, takatif, pur, safi, sanctifié. C'est ça le terme vierge là. C'est comme le mot hébreu. Sanctifié signifie purifier. Rendre saint. Purifier. Amen. 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 Paragraphe 661. Amen. Et sauter pour lire juste l'essentiel. On peut même sauter. 166. Considérons maintenant les deux églises. Ces églises-là sont aussi pures et saintes. Il y a des pentecôtistes et des gens qui sont sérieux. Il dit, elles sont toutes vierges. Elles sont toutes aussi pures. Mais l'unique différence, c'est l'huile dans la lampe, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, s'il est là-dedans, il produit la même sorte de feu qu'au jour de la Pentecôte. Amen, amen, amen. 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 Oh, bien-aimés frères et sœurs. Le Saint-Esprit en vous vous fera agir comme Pierre. Et vous fera agir comme Paul. Comme Pedro, comme Paulo. Ce n'était pas eux. Paul dit, Paulo nasem, Christ en moi, Christ en Daniel, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. 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 Donc, bien-aimés frères et sœurs, toutes étaient vierges. Les autres folles n'avaient pas le Saint-Esprit. L'époux est venu. Il a pris les sages dans la vie. Et frère Mana me dit, quand il y a eu le cri de minuit, un cri s'est fait entendre. Voici l'époux. Viens. Elle se sort. Et frère, madame me dit, cela se passe quand
Cette parabole-là, il est fou, boy. Quand est-ce que cela s'est accompli? Il dit, c'est au temps de la fin. Ni wakati ya mwisho. Amen. Amen. Au temps de Malachi 4. Wakati ya Malachi 4. Il dit c'est le temps de préparation de l'âme. Ni wakati ya kutaya matayarisho ya mata. Amen. Amen. Comme ce dimanche je reprends ce qu'on a vu ça pendant la semaine. Ça veut dire avant de continuer. Tasoma mbele ile tuliona katikati ya juma mbele shikuendelea. Il dit dans le message l'enlèvement. Parce que 141. Il a ordonné que ces choses soient et maintenant il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre, quand Jésus descend, il descend pour faire quoi? Nous savons que Jésus vient trois fois. La première fois, il était venu racheter son épouse. La deuxième fois, il vient enlever son épouse. La troisième fois, il revient avec son épouse comme roi et reine pour régner dans les millions. Mais maintenant, pendant qu'il descend, la première chose qu'il fait, quand il est en train de descendre, il dit, la première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre, lorsqu'il commence à se descendre du ciel, est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Qu'est-ce qui nous a rassemblés aujourd'hui au Lys? C'est ce message. C'est ce message. Il n'y a pas autre chose. Est-ce qu'on distribue de l'argent ici pour que les gens viennent? Mais c'est ce message qui est prêché. C'est ce message qui attire les gens. C'est pourquoi nous nous rassemblons. La première chose qui arrive, quand il commence à descendre, c'est un message. Amen. Amen. Un message est prêché pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation de l'âme. Levez-vous et préparez vos lampes. Ce temps ici est un temps de préparation de l'âme. Levez-vous. On vous réveille. Les réunions de réveil. Réveille-toi, mon frère. Michel. Neville. Réveillez-vous. La Mukeni. Baron, réveille-toi. Amuka. Que chacun se réveille. Réveillez-vous. Amukeni. Pourquoi? Dieu anime. Pour préparer les lampes. Regardez, est-ce que dans votre lampe il y a de l'huile? Angalia que le Saint-Esprit est déjà dans votre maison? C'est le temps de préparation. Amen. Amen. C'est le temps de la préparation de l'âme. Amukeni. Préparez vos lampes. Namutayarishe matazeni. Quelle veille est-ce? Tuko musangapi. La septième. Tuko saya saba. C'est la septième. Ya saba. Pas la sixième. Apana ya sita. La septième. Ya saba. Voici l'époux vient. Oneni bwana harusi yola la kui. Levez-vous. Amukeni. Et préparez vos lampes. Natayarishe ni matazeni. C'est ce temps. Ni wakati. Avec ce message, nous devons nous préparer. Na hii ujumbe tunapasha kujitayarisha. Ce message. Hii ujumbe. Nous est envoyé. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre des amen là-bas? Je peux entendre des amen. Des grands amen. Dites grandement amen. Semeni amina kubwa. De manière à chasser les démons, dites amen. Ce message est prêché. C'est pour que nous puissions préparer nos lampes. Est-ce que le Saint-Esprit est déjà dans ta vie? Amen. Amen. Alors il dit. Et
certaines d'entre elles, quand ils se sont réveillés, certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. Voyez-vous, c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachi. C'est Luc 17. C'est Esaïe. Toutes ces prophéties sont parfaitement déclarées dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ces jours. Nous le voyons se dérouler ici même. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen, wandugu wapendwa. Le temps de préparer les lampes. Wakati ya kutayarisha mata. N'oubliez jamais cela. Usisahabu ile ndugu. N'oubliez jamais le but pour lequel nous avons cru le message. Apana kusahabu kifuku kile kenye tuliamini ya yuju. Si depuis tout ce temps tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit dans ta propre vie. Kama muhima shiki yote, auyapokea Roho Mtakatifu maishani mwako. Tu n'as pas encore atteint le but pour lequel tu es venu à ce message. Yani wewe auyafika mukile mukifukuzio kenye uliamini ya ujumbe. Et frère Banam dit dans la stature de l'homme parfait. À la page 12, il dit, Dieu ne nous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Si vous manquez, si vous avez manqué cela, c'est-à-dire, si vous avez manqué d'être un fils ou une fille de Dieu, vous avez manqué le but. Et manquer le but, c'est cela péché. C'est là qu'il donne l'exemple que nous avions donné, nous avions dit ça pendant la semaine. Il prend une arme. Parce que frère Branham c'était un chasseur. Voilà. Je vais tirer. Je vais atteindre ce projecteur. Il est juste à côté du baffle là. Il est quoi ya baffle. Frère Branham dit. Parce que c'était un bon chasseur. Il dit s'il tire. Et que cela rate la cible. Frère Branham dit. C'est que mon fusil a besoin d'un réglage. Il dit vous aussi. Si vous avez manqué le but, vous n'êtes pas devenu un fils de Dieu. Vous n'êtes pas encore devenu une fille de Dieu. C'est que vous avez manqué le but. Ainsi, vous avez besoin d'un réglage. C'est pourquoi nous venons à l'église pour être réglé. Pour être corrigé. Pour voir correctement. Amen. Amen. C'est ça qu'il dit. Alors si je tire sur une cible pour faire mouche à 50 mètres, si je prends mon fusil et que je tire et que je manque le centre d'une dizaine de centimètres, qu'est-il arrivé? Mon fusil a besoin d'un réglage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si je manque d'avoir foi en Dieu, si je manque d'être chrétien, Dieu vous a placé ici pour être un chrétien. Et si vous filez d'un côté, revenez et passez par un réglage. Et il n'y a qu'une chose qui peut vous régler. C'est l'écriture. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dans l'Écriture vous règle. Il vous ramène directement sur la cible. Est-ce qu'on a compris? Pourquoi est-ce qu'on a cru le message? C'est pour recevoir le Saint-Esprit. Qui croit cela? Que Dieu vous bénisse. On a cru le message pour recevoir le Saint-Esprit. Vous allez dire, nous avons créé le message pour être enlevé. C'est juste. Ce n'est pas faux. Mais qui seront enlevés? Ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc, bien-aimés frères et sœurs. Alors, pour appeler l'épouse,
Dieu a envoyé un puissant message. Amen. Amen. Et l'objectif, le message du frère Branham. Qu'est-ce que frère Branham recherche? Quel était son objectif? C'était quoi? Frère Branham, qu'est-ce que tu cherchais? Il dit ceci. C'était ça l'objectif du frère Branham. Dans le message, la semence n'hérite pas avec la balle. Frère Branham dit. Paragraphe 27 et 28. Je commence par 26. Il dit ceci. Nous voici 30 ans plus tard. Si je commence par 25, il parle de son expérience à la rivière Ohio. Il dit juste 6 mois après cela, j'avais mon premier baptême ici dans le fleuve. Lorsque la lumière descendit jusque là à la rue Spring, beaucoup d'entre vous voudraient peut-être aller y jeter un coup d'œil. À la Rispring et Watt, juste devant le fleuve. Et c'est là que l'ange du Seigneur apparut pour la première fois en public. Un après-midi à 2 heures. Et il voit vingt de là et dit. Et il voit vingt de là et dit. De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message précédera la seconde venue. Est-ce que vous avez suivi ça? Comme Jean-Baptiste était envoyé pour être précurseur de la première venue de Christ, ton message précédera la seconde venue. Nous voici 30 ans plus tard. Et me voici ce soir. Frère Branham, c'était à quelle date? C'était le 18 février 1965. Il est dit, ton message précédera. On n'a pas dit, ton message, c'est ça la seconde venue. Quand est-ce que frère Branham a commencé à prêcher son message? Pas les jours où il a commencé à prêcher, à œuvrer comme prédicateur. Mais quand est-ce qu'il a commencé à prêcher le message? Aina ile siku alianza kuhubiri kama mhubiri, lakini ni siku kani alianza kuhubiri ujumbe wake. Kipa me répond. Nana nisa kunijibi. On peut me chercher les soins du temps de la fin rapidement là. Nazo tafutia hapo kwa pakale wakati wa mwisho. Kwa les soins du temps de la fin, c'est là qu'il faut. Wakati wa mwisho. Quand? Wakati kani? Wakati gani? Et c'est en 33 qu'il a commencé à prêcher son message. En 33, il œuvrait comme évangéliste. Il a prêché, il a démarré un réveil. Il dit, pendant tout ce temps, où nous avons eu des guérisons, des prophéties, maunabi, et toutes ces choses, j'ai toujours su que le message viendrait après. Et le voici, les têtes sont ouvertes. Le message est venu après. C'est à partir de 63. Quand l'ange puissant est descendu, qu'est-ce qu'il avait? Quand Dieu a confirmé Apocalypse 10, nous voyons l'ange puissant. Il descend comment? Il descend avec un livre ouvert. Le livre ouvert.
Et Jésus, c'est lui qui a brisé les livres, qui a ouvert le livre. Où est-ce qu'il a ouvert le livre? Où est-ce qu'il a brisé les sceaux? Sur la terre ici? Non. Au ciel. Mbinguni. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Dans Apocalypse, chapitre 5, une voix se fait entendre. Nous lisons ça. Suivez. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Où est-ce que cette voix se fait entendre? Où? Au ciel. Où se trouve le trône de Dieu? Au ciel. Le trône du Père se trouve au ciel. C'est là où le Fils est. Il est assis sur le trône de son Père. Où sera le trône de Jésus en tant que Fils? Nous avons déjà vu ça. Vous avez oublié? Nous avions parlé du trône de jugement. Que le trône de Dieu a toujours été un trône de jugement. C'est la présence de Jésus sur le trône qui est un trône de la grâce. Le trône de Jésus sera sur la terre. Il se mettra en tant que fils de David. Il s'est manifesté sur la terre comme fils de l'homme. Fils de Dieu. Il sera fils de David dans le millénium. Sur son trône, avec son épouse, régnant pendant 1000 ans. Mais au ciel, c'est le trône de son père. Qui est son père? C'est l'esprit. Il a pris le corps. Il a laissé sur le trône de son père. La présence de ce corps sur le trône, oui, c'est un mémorial qui rend ce trône un trône de grâce. Parce que si vous lisez dans Apocalypse chapitre 4, il y avait des éclairs, des tonnerres. Quand on enlève le sang, ce trône devient un trône de jugement. Après l'enlèvement, ce sera la tribulation, le jugement. Partout chez les nations. Amen. 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 Alors il était là. La voix s'est fait entendre aussi. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne au ciel. Personne sur la terre. Mais sous la terre. Quand on dit personne au ciel, nous voyons tous ceux-là qui habitent le ciel. Aucun archange n'était digne. Aucun ange. Aucun vieillard. Même les êtres vivants. Personne. Personne. On dit personne sur la terre. Est-ce que Moïse pouvait ouvrir le livre? On a dit personne. Est-ce qu'Abraham pouvait ouvrir le livre? Personne. Est-ce que Branham pouvait ouvrir le livre? Personne. Mes frères, Branham ne pouvait pas ouvrir le livre. On descend en enfer. Satan tue en enfer. Est-ce que vous pouvez ouvrir? Personne. Atamutu. Les démons, vous ne pouvez pas ouvrir le livre. Personne. Alors, Jean commençait à pleurer. Satan a commencé à lire. Comment il n'y a personne? Yohana a commencé à lire. Mon nom est dans le livre. Mon nom est dans le livre. Il n'y a personne. C'est que je suis perdu. Un des vieillards lui a dit: ne pleure pas, Jean. Yohana a pas à lire.
car le lion de la tribu de Juda, Simba wa kabila ya Yuda, le rejeton de David, msipukizi kia Daudi, a vaincu, anashinda. Il est digne d'ouvrir le livre. Anastahili kufungula kitabu. Frère Branham dit, tu Branham anasema, Jean s'est retourné. Yohana akageuka, pensant voir le lion. Eko nazania aone ako Simba. Parce qu'on a dit c'est le lion de la tribu. Kwa sababu alisema ni Simba wa kabila ya Yuda. Il se retourne pour voir le lion. Anageuka juu kuangalia Simba. Il voit l'agneau qui avance. Anaona mwana kondoo nakui. L'agneau avance. Mwana kondoo nakui. Qui est cet agneau? Où mwana kondoo ni mwana kondoo gani? Un animal? Ni nyama? Non. Hapana. Le Galiléen. Yule mgalilaya. Le corps Jésus. Il est mouillé, yes. On voit Jésus avancer. Tunaona Yesu anakui. C'est celui-là l'agneau. Nous le jeu mwana kondoo. Si vous voyez dans la Bible. Kama kaangalia Biblia. Un jour. Chikumoe. Jean-Baptiste. Yohana mbatizaji. Baptisé. Alikuwa anabatiza. Au Jourdain. Sikule mu Jordan. Je lui avais dit. Yesu Mungu alimwambia. Celui sur qui. Ule moto na juu yake. Verra le Saint-Esprit. Utaona Roho Mtakatifu. Descendre. Kushuka. Sous la forme corporelle. Umbo ya mwili. C'est celui-là ni ule, qui baptise du feu et du Saint. Il baptisa na moto na Roho Mtakatifu. Il baptisait les gens. Alikuwa anabatiza watu. Il baptisait les gens. Alikuwa anabatiza paka watu. Un jour. Chikumoe. Il voit un homme. Anaona mtu moyo unakui. Un homme fier. Mtu anakui. Il voit sur lui. Anaona juu yake. Un signe. Ishara. Je ne suis pas mis digne de te baptiser. Mais c'est taïr. Je ne peux pas te toucher. Mais c'est taïr que vous baptisez. Voici l'agneau de Dieu. Dieu a dit onen mwana kondoo wa Mungu. Voici l'agneau de Dieu. Onen mwana kondoo wa Mungu. Qui ôte le péché du monde. Mwenye anaondoa dhambi za dunia. Et c'est Jésus qui entre dans. Na Yesu alikuwa anakuja anaingia. C'est lui l'agneau de Dieu. Yeye mwana kondoo wa Mungu. Et quand Jean le révélateur. Na wakati Yohana mfunuzi. Est allé au ciel. Alienda mbinguni. On lui a dit. Ba mwambie. Le lion de la tribu de Juda. Simba wa kabila ya Yuda. Le rejeton de David. Kisipukizi ka Daudi. Afink. Anashinda. Il s'est tourné. Anageuka. Pensant voir un lion. Et on a chunga aone simba. Il voit l'agneau de Dieu. Anaona mwana kondoo wa Mungu. Cette même personne là. Ule mtu moya moya. Cette fois-ci. Marai sasa. Ce n'était plus au Jourdain. Haikuwa tena ku Jordan. C'était au ciel. Ilikuwa sasa mbinguni. Il avance pour prendre la place. Anakuja tu kubeba sasa fashi. Il est monté. Akapanda. Et il s'est assis. Na akaikala. Et il a pris le livre. Na akabeba kitabu. Lisons quand il a pris le livre. Tusome kwanza na mwana wakati abeba kitabu. Amen. Amen. Il dit, je regardais. Quand l'agneau ouvrit un de ses sept sceaux. Ça c'est au chapitre 6. Amen. Amen. Quand l'agneau. C'était l'agneau. Et c'était Frère Branham. Frère Branham était sur la terre. C'est l'agneau qui était au ciel. L'agneau a pris. Il a ouvert le livre. Oh. Amenez-moi encore le sept sceaux, le livre des révélations. Ça me vient sur place pour lire cela. C'est l'inspiration que j'ai sur place. Maintenant, dans les soins du temps de la fin. Pour vous montrer quand est-ce que Frère Branham a commencé à prêcher en 1933. Suivez comment il dit ici. Dans les soins du temps de la fin. 162. Est-ce que c'est 162? Oh non, 262. Voilà. 260. Il dit, remarquez. Le jour même où ce messager. Trois points. Pas quand il est à ses débuts. Mais quand il commence à annoncer son message. Le premier pôle. Le premier pôle. Pour ça veut dire action de vous soi. Le premier pôle c'est la guérison. Le deuxième pôle c'est la prophétie. Le troisième pôle, l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Il n'y a rien de plus. De plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Mais la seule chose par laquelle les prophètes peuvent être confirmés, c'est par la parole. Et rappelez-vous, le troisième pour, c'est l'ouverture de la parole.
Amen. Amen. C'était l'ouverture de cette seau. Il est quoi au kufunua kwa imiuri sa. Pour révéler la vérité cachée qui était scellée dans la parole. Dieu kufunua i maneno yenye ilifichwa muneno. Amen. Amen. Pas à ses débuts. Apana kumwanzo yake. Pas au début de son ministère. Apana kumwanzo wa utumishi wake. Quand il commence à prêcher son message. Lakini ni wakati anaanza kuhubiri ujumbe wake. Na ujumbe wake. Ce sont ses seaux ni i imiuri yenye kufunuliwa. Ici au paragraphe 300. Mukipini miatatu. De la brèche, debout dans la brèche entre le sept seaux, entre les sept âges de l'église et les sept seaux. Pengo kati ya bizazi saba ya kanisa na miuri saba. 300. Kipindi mia tatu. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption. Sasa kitu kwanza kile kilionyesha ukombozi kule mbinguni. C'est que j'ai expliqué, je voudrais le lire. Kile nalimfasiria na napenda nikisome. C'est l'agneau immolé. Ni mwana kondoo mwenye alichinjiwa. Dès la fondation du monde, kabla ya misingi ya dunia kuu, qui est venu, mwenye alikuya, et il a pris le livre, na akabeba kitabu, vraiment dit gloire, utukufu, il a ouvert le livre, akafungula kitabu, et en a arraché le sceau, akavunja miuri, et na, il l'a envoyé sur la terre, akakituma duniani, à son septième ange, pa mujumbe malaika wake wa saba, pour le révéler à son peuple, tuwe kukifunulia umma yake. Donc, c'est Jésus qui a ouvert le livre. Yes, nous allons le kitabu. C'est Jésus qui a ouvert le livre. Yes, nous allons le kitabu. Et puis il a envoyé ce livre. Kisha anatuma kile kitabu. À qui? Kwa nani? À son septième ange. Kwa malaika wake wa saba. Qui est le septième ange? Malaika wa saba ni nani? Frère Branham. Duku Branham. Il était où? Alikuwa wapi? Sur la terre. Pa dunia. L'ange puissant. Malaika wa uwezo. Est descendu avec un livre ouvert. Alishuka na kitabu kilikuwa wazi. Qui est l'ange puissant? Malaika wa uwezo ni nani? C'est qui? Ni nani? C'est Christ. Ni Christo. C'est Jésus-Christ sous la forme spirituelle. Ni Yesu Kristo mumbo wa kiro. Il a laissé son corps. Aliacha mwili wake. C'est pourquoi frère Bana me dit. Joko mana ndu Bana mana sema. C'est lui-là même qui était en Jésus. Ule mwenye alikuwa ndani ya Yesu. C'est lui-là qui est en Jésus. Où le moyen de quoi Kandani a est descendu. Alishuk. Au paragraphe 87. Qui du message que ferais-je de Jésus appelé Christ? Mon maobiri, ta fanya nini na Yesu anaitwa Christ? Qu'est-ce que les églises ont préféré? Makanisa ilitaka yo nini? Ils ont aimé un meurtrier de la parole. Balipenda muwaji wa neno. Quelqu'un qui prend un système. Mutu moyo anabeba tengeneze. Si le système est contraire à la parole, kama tengeneze yuko mbalimbali na neno, il est un meurtrier de la parole. Yeye ni muwaji wa neno. Mais ils ont préféré une tradition dénominationnelle. Balipenda desturi ya kizeevu. Au lieu de la vraie parole. Balipa neno bora. Manifeste. Neno ya kweli yenye kuonekanisha. Prouvant comme étant Dieu au milieu du peuple. Yeye anathibitisha sema yeye ni Mungu katikati ya watu. Cela a été prouvé par la science. Ile ilithibitishwa na sayansi. Au moyen de la photo de la lumière. Kupitia picha ya wingu. Et de même. Na vile vile. Et ce même ange du Seigneur, oui, malaika mwamwa wa Bwana. De ce même ange du Seigneur, pitia malaika mwamwa wa Bwana. Donc la science a prouvé, science ilithibitisha au moyen des photos, kupitia mapicha, de ce même ange du Seigneur, kama huyu ni yule malaika mwamwa wa Bwana, et de la colonne de feu, na nguzo la moto. C'est lui-là même, ule mwenyewe, qui vécut sur la terre, mwenye aliishi pa dunia. Dans le corps Jésus-Christ. Mumwili ya Yesu Kristo. Est venu vers son peuple. Alikuya kwa batu baki. Au dernier jour. Oui, mashiku ya mwisho. Et les savants en ont pris de fou. Na baba bajuaji balibeba balibamba mapicha. C'est lui qui vivait en Jésus. Ule mwali kwa naishi ndani ya Yesu. Il a laissé le corps sur le trône. Aliacha mwili pa kiti. Il est descendu. Alishuka. C'est lui qui était en Jésus. Il est venu vers son peuple. Et les savants en ont pris des photos. Nous avons des photos. Tuko na mapicha. Ça, on appelle ça la photo de l'ange. L'ange céleste. Malaika wa kumbingu. Et l'ange terrestre. Na malaika wa padunia. L'ange puissant, sa photo est là. Malaika wa uwezo picha yake hiyo. Amen. Amen. Celui-là même qui vécut sur la terre. Ule mwenye aliishi pa dunia. Dans le corps de Jésus. Mwili wa Yesu.
est venu Alikuya vers son peuple Alikuya au dernier jour. Et les savants en ont pris des photos. Na, wajuaji, wakabeba, kabamba, mapicha. L'église a vu ses œuvres. Kanisa iliona matendo yake. Cela a été identifié complètement dans le monde entier. Na, ile ilionyeshwa duniani nzima. Amen. 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 C'est celui-là qui est descendu. Donc, il est descendu sous cette forme avec un livre offert pour le donner à qui? C'est pourquoi il est dit au paragraphe 41, toujours dans la brèche, que lors de cette venue, il doit trouver l'ange terrestre. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Le messager, Christ. Vous voyez, c'est lui qui descend. L'ange, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous. N'oubliez pas cela. Quand l'ange puissant descend, quand Christ descend, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. C'était une venue. C'est la venue de Christ. Kuja kwa Kristo. La venue de l'ange puissant. Kuja kwa malaika wa uwezo. La venue du messager. Kuja kwa mjumbe. Quand il descend, wakati anashuka, l'ange puissant est sur la terre. Malaika wa uwezo kwa duniani. Je vais vous poser la question. Tamiulize. Il est descendu faire quoi? Alishuka kufanya nini? Il répond. Nani atajibu? Si vous me suivez. Kama mnanisikiliza. Pour donner le livre, Jésus a brisé les sceaux. Il a ouvert le livre et il l'a envoyé à son septième messager pour que le septième messager puisse proclamer ce qui était dans le livre. Si vous comprenez, dites amen. Dites encore amen. Dites grandement amen. Donc, l'ange puissant descend avec un livre ouvert. Jésus a brisé les cieux. Il descend sous la forme de l'ange puissant, sous la forme de Christ, sous la forme de l'ange de l'Éternel. Or, l'ange sous cette forme peut-il prêcher la parole? Non. La prédication de la parole est confiée à qui? Mahubiri ya neno inapewa kwa manani? Kwa inapewa kwa mtu. C'est pourquoi Jokoman Jésus Yesu Christ avec le livre na kitabu ne pouvait pas prêcher. Asikupasha kuhubiri. Il avait besoin alihitaji un corps mwili. C'est pourquoi Jokoman il a emprunté un corps akazima kwa mwili. Amen. Amen. Il est entré dans ce corps akaingia mwile mwile pour que ce soit un homme qui prêche. Ya kusema ikuwe mtu ndio yuko anahubiri. Oh, je ne veux plus aller à l'église. Oh, mais je peux tena kwenda kanisani. Je vais commencer à suivre la prédication. Nitaanza kusikiliza paka mahubiri. À la maison seulement. Kunyumba tu. C'est Dieu mal. Ile ni Mungu mwe kuelewewa vibaya. On a posé cette question directement à Frère Branham. Il dit, le même Saint-Esprit a établi des ministères. C'est le Saint-Esprit qui a Amen. 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 Le Saint-Esprit prêche par Kupitia. Amen. Amen. À l'église par le pasteur. Et nobir, kanisali kupitia Rome takaiva pastori. Vous n'allez pas changer l'ordre de Dieu. C'est ça la voie pourvue par Dieu. C'est ça la voie pourvue. Amen. Amen. Jésus pouvait prêcher la parole. C'est sa parole. C'est lui qui a brisé les cieux. Il a ouvert le livre. Pourquoi il n'a pas prêché? Il pouvait me se tenir là aussi. Il parle que le monde entier entend. Il va aux États-Unis. Anaenda kwa Amerika. Là-bas. Oule. Amen. Amen. Au Sunset Mountain. Anaenda kule ku Sunset Mulim. Il descend.
Et quelqu'un était là. Un homme préparé. Amen. 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 Et cet homme est rentré maintenant. Il avait dit, je vous promets, je vais à Tucson. Mais tous les messages seront prêchés ici. Au Branham Tabernacle. Il a reçu les choses. Il n'a pas prêché là-bas. Il est rentré au Branham. C'est là qu'il a prêché le message. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, j'ai aimé ça. Niko na ujumbe moi. Bien-aimés frères et sœurs. Dans la semence ne rite pas de Mabiri, mbeko haiwezi kuriti pamoja na kati. J'ai aimé ça. Donc je suis responsable. Enye ninachugua muziko yayo. La première fois que le message est sorti, mara kwanza ile ujumbe ilitoka. C'était bien. Tout le monde priait pour les malades. Il y eut des grands signes. Pourquoi des prodiges et des miracles. Cela commença particulièrement parmi les pentecôtistes. Un réveil universel. Des campagnes de guérison balayaient le monde. Pendant 15 bonnes années, je suppose qu'il y a eu des réveils sur chaque colline. Les feux de réveil brûlent. Et littéralement, des millions ont accepté Christ comme leur sauveur. Par cette seule commission que l'ange lui avait donnée à la rivière. Au fleuve Ohio. Il dit, c'est cela qui inspira Oral Roberts. Et d'autres. Et cela se propagea de plus en plus dans le marasme mortel dans lequel l'église pentecôtiste était tombée. Dans mon intention et mon désir, c'est de réveiller cette église de nouveau pour la venue du Seigneur. C'est en 65. Si on dit que Jésus est déjà venu, comme certains de nos frères, c'est leur compréhension. Mais si Jésus est déjà venu en 65, le frère Branham me dit, mon intention, amen, amen, mon désir, ce soir, c'est en 65 février, c'est de réveiller cette église de nouveau pour la venue du Seigneur qui est proche. Et je dois la réprimander. Je dois réprimander le péché sous quelque forme qu'il soit. Je ne vise la dénomination de personne. J'ai un message. Frères et sœurs, la seconde venue du Seigneur est encore à venir. Jésus, yes, est venu alikuya en tant que kama Christ, Christ le messager, mujumbe, l'ange puissant. Mais dans la seconde venue, lakini mukuja kwa pili, ce n'est pas l'esprit, aina roho, c'est le corps qui est resté là. Ni ile mwili ni baki yaka kule yulu. C'est le corps là. Ni ile mwili que nous allons rencontrer dans les airs. Tu tenda kukutana nayo mawinguni. Tel il est, tel nous serons. Gisi yako ndio gisi tutakuwa. Il ne va pas piétiner cette terre. Nous allons le rencontrer dans les airs. On ne peut pas voir le Fils promis étant dans ses corps. Abraham et Sarah, ils attendaient le Fils promis. Ils ont d'abord reçu Elohim dans la chair humaine. Frère Branham me dit, il a pris un corps de 16 éléments. Gabriel entre dans ce corps-là. Gabriel, un être corps de 16 éléments. Michel entre là-bas. Un corps de 16 éléments. Lui-même étant. C'était des hommes sur la terre. Ils marchaient. Ils marchaient. Ils sont allés où? Chez l'Élie. Il y avait l'Élie.
qui était élu? Qui est cet élu là? Son nom c'est qui? Son nom c'est qui? Abraham. Ibrahim. Le père des nations éternelles. Il était sous les chaînes de Mamré. Il était là. Il voit trois hommes. On n'a pas dit les esprits. Trois hommes qui marchaient. Ils arrivent là. Ils voulaient passer. Oh mon Seigneur. Frère Branham dit. Voyez cet homme. Il voit trois hommes. Il dit mon Seigneur. Les deux autres sont allés chez Lot. L'autre les a appelés mes seigneurs. Là-bas, c'est la confusion, l'aveuglement. Ils sont allés avec un message d'aveuglement. Mais l'élu, malgré qu'il y avait les anges, il a reconnu Elohim. Les élus ont une profondeur. Ils reconnaissent leur Dieu. Un élu peut regarder. Quand il regarde cette photo, même quand il s'agit, il ne voit pas l'homme. Un élu, quand il regarde, l'homme est là. L'homme est là. L'homme, c'est un voile. Mais l'élu perce le voile. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est Elohim qui est là. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est là. C'est pourquoi frère Branham dit, il dit, Jésus-Christ a eu plus de succès ici à Jeffersonville que là-bas Nazareth. Il dit attention, j'ai bien dit, Jésus a eu plus de succès dans mon ministère que dans son propre ministère. Il y a beaucoup de miracles, beaucoup de gens qui ont été guéris dans mon ministère. Mais moi, je n'ai jamais guéri personne. Ne dites pas que frère Branham a fait. Frère Branham a guéri. Si vous lisez dans celui qui est en vous, ne dites pas que frère Branham a fait. Parce que je n'ai rien fait. C'est Jésus. Il dit, c'est ce qui vous semble. 260. C'est ce qui vous semble difficile. Frère, c'est ça le réveil que nous avons reçu aujourd'hui. 260. Oh, bien-aimé, frère. Au jour même où le Fils de l'homme sera revenu. Apocalypse 10. C'est ça la conclusion. Lisez-le quand vous rentrerez chez vous. Le message du septième ange qui ouvre les cieux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme. Mais le messager révèle le Fils de l'homme. Frère Branham a révélé le Fils de l'homme. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? C'est ça qui semble être tellement difficile. C'est ça qui vous semble être tellement difficile. Pas le Fils de l'homme lui-même, mais le septième ange. Frère Branham. Frère, quand nous parlons de frère Branham, c'est là vous scandalisez. Il est un sujet de scandale pour vous. À cause de frère Branham, beaucoup de gens iront en enfer. D'autres, pour l'avoir rejeté. D'autres encore, pour avoir exagéré. Ils commencent à l'adorer. Oh, le nom nouveau de Jésus, c'est Branham. Vous irez en enfer. Oh non, comme baptise au nom de Branham. Mie ben baptise au nom de Branham. Tout droit en enfer. Ouais, on t'a télémuka maramwa mugena. Seigneur, je demande au nom de Branham, donne-moi ceci. Bwana nakulomba mu jina Branham nipatie, utafukuziwa. Le seul nom. Jina moya tu. Le seul nom. Jina moya tu.
seul nom qui est accepté au ciel. Le seul nom de rédemption. Le seul nom de bénédiction. Le seul nom de victoire. Le nom qui fait trembler l'enfer. Le nom que le diable redoute. Quel est ce nom? Quel est ce nom? Quel est ce nom? C'est le seul. Joy. Vous voulez être baptisé? On appelle donc baptisé. Soyez baptisé au nom du Seigneur Jésus. Baptisé au nom de Jésus Christ. Vous voulez que votre prière soit exaucée? On appelle ma ombi à quoi? Demandez au nom du Seigneur Jésus. L'homme au nom de Jésus Christ. Vous voulez entrer au ciel? On appelle donc une amingou. Recevez l'esprit du Seigneur Jésus. Pour qu'il y ait une roue à boire à Jésus Christ. Même frère Branham a reçu le Saint Esprit. Attendu que Branham allait pour qu'il y ait un homme. Même frère Branham a été converti. Attendu que Branham allait aller où? Même frère Branham a été sauvé. Attendu que Branham allait aller au Colewa. Amen, amen, amen. Amen. Il est né un pécheur. Allez, allez, comme vous êtes dans Zambie. Mais un prophète. La kini nabi. C'est ça qui vous semble difficile. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Maintenant, ce réveil est le dernier. Ça, c'est qu'il a mouché, Dieu qui a mouché. Qu'est-ce qu'il dit? Le réveil. On a connu un dernier réveil. C'est ma tenue pas qu'il a mouché, qui a mouché. Amen. Amen. Tout le monde s'est réveillé. À partir du ministère de Frère Branham, les grands évangélistes ont été suscités. Mais il dit les autres sont allés dans les dénominations. Ils sont retournés dans les dénominations. Amen. 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 Et c'est là que je vous ai montré notre foi. Aujourd'hui, le réveil c'est calmé. Le feu de réveil est en train de s'éteindre. Où se trouve Jésus? Yes, Ekoapi. Il est où? Ekoapi. Parce qu'il s'était voilé dans Frère Branham. Il a emprunté le corps Branham. Il l'a utilisé. En 65, ce corps-là est retourné à la poussière. Mais c'est lui qui était là. Où est-il? Ekoapi. On l'a enterré aussi. Bali musique na e. Mais oui. Ekoapi. Amen. Amen. Il est où? Ekoapi. Frère Branham, veux-tu nous répondre où est-ce qu'il est? Tu vas nous dire Ekoapi. Il est dans les fils et filles de Dieu. Ekondane abatoto banaume na banamuke bamu. Il est dans son église. Ekondane kanisa yake. Amen. Amen. Il dit ceci. Anasema hivi. Quand il était en train de prêcher. Wakati kwa anahubiri. Il dit. Anasema. Dans la divinité de Jésus. Au Mungu wa Yesu, qu'il avait prêché le 25 décembre 1949. Dit Jésus vient trois fois. Il est venu pour la première fois pour racheter son église. Il vient la deuxième fois pour recevoir son église. Il vient la troisième fois avec son église. Toutes choses dans la Bible va par la Trinité. Ça va par trois. Mais tout est un seul Christ. Tout en un seul Christ. Souvenez-vous, la première fois, c'était pour racheter son église. La deuxième fois, pour recevoir son église. La troisième fois, avec son église, comme roi et reine. Maintenant, cependant, quant à sa première venue, nous en parlerons un peu. Quand il prêchait, il parlait aussi de la première venue de Jésus. Et puis, nous parlerons de sa présence ici. Et ensuite, de sa seconde venue. Vous comprenez ça? Pas de la première venue. Tout ce qui a eu avec Frère Branham, c'est la présence de Jésus. Mais la seconde venue devait venir. La présence de Dieu. Amen. 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 Paragraphe 80. Il dit cette même puissance. Il est où est ce même Christ. Christ alléluia. Alléluia. Oh
laissez ces fondamentalistes. Laissez ces gens qui réunit la puissance de Dieu. Laissez-les dire que les forces. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve où? Se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaie de vous barrer la route en vous disant que vous n'êtes qu'une poule mouillée. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Mais on a vu l'ange puissant est descendu. Tu donnes malaika au wezo kushuka. La divinité n'est plus au ciel. Elle est en vous. Il dit alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si ce que vous pensez. Je ne sais pas si vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle est en vous, la vie, le Zoé, la vie de Dieu dans l'être humain. Frère, sœur, cette divinité-là est en vous. C'est pourquoi il avait dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin de temps. Est-ce que c'est Christ dans la crèche? Non. C'est Christ en vous. Alléluia. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Mais nous adorons Christ en vous. Le Saint-Esprit. L'espérance de la vie. Alléluia. Alléluia. Le Créateur. Dieu lui-même. Habitant dans l'être humain. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais nous le verrons tel qu'il est. Car nous serons semblables à lui. L'esprit dans l'être humain. Amen. Amen. C'est là que se trouve. Maintenant nous sommes entre les deux revers. Il est en nous. Quand on a un problème, frère Bernard dit, c'est ce qui nous arrive. C'est pourquoi nous prions, nous voulons ce réveil. Le réveil que nous cherchons aujourd'hui, ce n'est pas un réveil mondial. Le réveil mondial a déjà eu lieu et est terminé. Frère Branham a démarré le dernier réveil, c'est terminé. Mais ce que nous cherchons, c'est le réveil en chacun. Ce message qui est la flamme de l'heure doit être une flamme dans ton cœur. Le réveil qui était universel doit être un réveil en toi. Amen. Amen. Maintenant il dit, il explique, il prend cette scène. Il explique. Quand les disciples étaient avec Jésus sur l'océan en train de naviguer, Jésus était là. Il n'était pas loin. Il était avec eux dans ce voyage là. Il était avec eux. Amen. Mais il y a eu des tempêtes. Il y a eu des problèmes. Comme vous avez des problèmes, comme nous avons des problèmes dans notre vie sur cette terre, nous avons toujours des problèmes. Qui que vous soyez, étant sur la terre, vous serez toujours éprouvé. Il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Quand il y a des problèmes, ce sont des tempêtes, ce sont des vents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Réveiller Jésus. C'est pourquoi il faut qu'il soit avec vous. Il faut qu'il soit en vous. Quand vous le réveillez, il va se réveiller. Et quand il se réveille, il calme la tempête.
une calme. C'est là où nous sommes. On n'attend plus un grand réveil. Mais les dénominations. Marathon de 40 jours. 100 jours de jeûne. C'est là que Frère Banabe dit. Il dit. Pourquoi ils font cela? 83, reconnaître votre jour et son message. Du 26 juillet 1964. Paragraphe 83. Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient. Ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont des bonnes personnes. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Le réveil de l'épouse est passé. Voyez-vous, vu qu'ils sont chrétiens, ils peuvent sentir l'heure qui tire, mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Ils ont reconnu le réveil de l'épouse. Mais c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là, ce message. Il y a eu un réveil. C'est le dernier. C'est le réveil de l'épouse. Maintenant, ce réveil. Quel impact cela a laissé dans ta vie? Est-ce que Christ est en toi? Et Christ est en toi? Le Saint-Esprit est déjà là. Cela, n'oubliez pas. Les vierges folles et les vierges sages. Il faut être parmi les vierges sages. Avoir le Saint-Esprit. Qu'il vienne aujourd'hui ou pas, que le Saint-Esprit soit là. Au lieu de dire qu'il est venu, c'est grand venu. Est-ce que le Saint-Esprit est là? Pour aller au ciel, ce ne sont pas des discussions. Le Saint-Esprit. Rome takatif. L'huile. Mafuta. Faut avoir l'huile. Faut avoir de l'huile. Dans le message. Christ est révélé dans sa propre parole. Du 22 août 1965. Suivez maintenant au paragraphe 156. Il dit quand on est avec Jésus. Si Jésus est dans la barque. Frère. Si Dieu est pour moi. Si le Créateur est avec moi. Si le Créateur est en moi. De qui aurais-je peur? J'aurais peur des démons. Ils ne peuvent pas me toucher si ils ne t'autorisent pas, ils ne peuvent pas me toucher. Rien ne peut m'arriver. Si Dieu te l'autorise. Si quelque chose m'arrive. J'ai dit gloire à Dieu. Tu as accepté. Parce qu'il connaît même le nombre de cheveux. Que vous avez sur la tête. Pour vous dire qu'il a toute votre situation est sous son contrôle. Quand tu manques à manger, ils le connaissent. Diable prince, quand ces bandits venaient, Jésus savait. Il a permis. Quand tu es poussé à bout, tu te dis non. Mais je suis un fils de Dieu. Il y a un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Tu n'as pas dit papa. Maman. Tu as dit frère Branham. Tu as dit Seigneur Jésus-Christ. C'était un tonnerre. Ils ont entendu une détonation. Ils sont allés en débandade. Avec des armes en train de tirer. S'ils ont entendu quelque chose qui les a effrayés, Jésus te regardait. Il te regardait. Il te dit mais tu es coincé. La mort est là. L'arme est là. Seigneur Jésus, un tonnerre a grondé. Les gens sont allés en débandade. C'est un secours qui ne manque jamais au matin. Quand les choses vont mal, murmure le nom de Jésus. Quand ça va mal, tout va mal, invoque le nom de Jésus. Il est un secours. Il ne manque jamais. Tu n'as pas à manger. Invoque le nom de Jésus. Il est le Créateur. Il peut multiplier le pain.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Anasim, le réveil est terminé. Il a mouché Kishoko Malizik. Voyez-vous, non, maintenant, Lakinisasa, les stabilisateurs ya, parce que ça ne bitulise, ont été installés sur le navire. Biliwe kwa sasa pachombo. C'est à ça que je vous amène, frère. Paile, mina, mipinio, na mifikishi. Jésus avec nous. Yesu na shie. Dans notre navire. Mui chombo yetu. Jésus est là. Yesu est kwa amu. Mais il rend, il stabilise toute lakini, chose. Anasawanisha biote. Anatulizanisha biote. Dès qu'il y a une tempête, wakati zurube nakui, réveillez-le. Umulamushi, il va calmer. Ataikali, ataitulize. Il y a n'importe quoi, réveillez-le. Atakuko mambo kani mulamushi. N'importe quoi, allez à genoux. Ata mambo fulaye, mambo kani la situation sera réglée. Mambo itabalizika. Amen. Amen. Les stabilisateurs ont été installés. Bitulizi bilisha kuweko. Il y a des grosses vagues redoutables qui nous attendent. Mais nous savons que juste au-delà de ces vagues là-bas, nous nous approchons du rivage. Là où nous allons, la destination est proche. La seconde venue est là. L'enlèvement c'est là. Nous nous sommes ici. Là, entre nous et la seconde venue, il y a des grandes tempêtes, des grosses vagues qui nous arrivent. Mais nous avons l'assurance. Malgré ces vagues, le rivage est là. Il dit, restez simplement stable. Restez simplement dans la parole. Restez avec Dieu. Peu importe comment vous vous sentez, quoi qu'il arrive, restez attaché à la parole. Maintenez la stabilité. Quand vous voyez ces gros nuages qui nous entourent, et ces tempêtes qui approchent, et les bombes atomiques, et tout le reste dont il parle, notre stabilisateur, lui, est bien installé dans la parole. Dieu a dit que cela viendrait. Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Nous passerons par-dessus. Certainement, ils ne peuvent pas nous couler. Ils ne peuvent pas nous noyer. Mettez-nous dans la tombe. Nous en sortirons. Un point, c'est tout. Rien au monde ne peut maintenir cela en dessous. Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Parce que notre grand capitaine en chef est en train d'appeler de l'autre côté. Nous sommes ancrés en Jésus. Amen. 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 Oh, c'est très bien ça. C'est très, très, très bien. Bien aimés frères et sœurs, la parole est là. La dynamique est là. Amen. 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 Les stabilisateurs. Utilise. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Et Jésus est comme un moako? C'est ça le stabilisateur. Dieu qui utilise qui? C'est pourquoi il faut prier. Dieu commande n'a pas ta faute. Que Jésus entre dans ta vie. Dieu sait Jésus a une main chez moi. Ça stabilise. Dieu il connaît utilise ni chabiot. Il dit les tempêtes sont là. Alors c'est pas zuruba yokoako. Les vagues sont là. Ma wimbi koako. Mais le stabilisateur est là. Quand il y a un problème, nous avons l'assurance que nous allons passer par-dessus ces vagues. Ces vagues ne peuvent pas nous noyer. C'est ça l'assurance que nous avons. Jésus n'est pas venu nous apporter la peur, ni l'échec. Il a apporté quoi? Le courage, la capacité, et l'amour. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Il faut que les stabilisateurs soient installés. C'est lui qui te stabilise, c'est Jésus. Qu'il soit installé dans ta vie. Lève-nous pour adorer le Seigneur. Le stabilisateur. Le réveil s'est éteint. Mais qu'il y ait un réveil dans chaque âme. Que ce message soit une flamme dans ton cœur. Yeah.
Oh,
Merci pour ce dernier réveil de l'épouse. Ce réveil qui est destiné à appeler un peuple pour ton nom. C'est le temps de préparation des lampes, le temps de Malachie 4. Seigneur Jésus, le réveil est terminé. Le stabilisateur est installé. Tu es dans ton épouse. Tu es en train de naviguer avec nous sur l'océan solennel de la vie. Nous t'invoquons, Seigneur. Viens te kénoncer. Viens remplir nos âmes de la puissance d'en haut, de la vie de Dieu, le Zoé de Dieu. Car nous sommes à toi, Seigneur. Tu nous as rachetés à un très grand prix, ô Dieu. Ne nous laisse pas manquer le but pour lequel tu nous as appelé à ce message. Ouvre notre entendement, Seigneur. Révèle la chose à chacun de nous. Que nous puissions poursuivre ce but et l'atteindre. Celui de devenir des fils et des filles de Dieu, nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, donne à ton peuple d'être tellement zélé pour les affaires du Père que ce réveil soit un réveil dans chaque cœur, dans chaque âme. Que la puissance de Dieu descende et expulse de notre cœur, de notre vie, de notre âme tout ce qui est contraire à ta parole. Toute incrédulité, toute mondanité, toute vulgarité, tout ce qui est contraire à ta parole. Pour que seul Christ, la parole, puisse demeurer en nous. Que nous-mêmes nous puissions demeurer en toi, Seigneur. Bénis cette parole dans nos âmes. Révèle-toi à chacun de nous, Seigneur. Aide chacun de nous à atteindre le but. Le but de son appel à ce message. Seigneur Jésus, nous croyons que tu le feras. Parce que tu es fidèle. Tu ne nous as pas appelés pour nous perdre. Tu nous as appelés pour notre salut. Nous sommes en préparation parce que bientôt là nous serons enlevés. Nous te rencontrerons dans les airs. Avec tous les rachetés de tous les temps. Ils ressusciteront. Nous nous rencontrerons avant de te rencontrer dans les airs. Et ce jour-là, ce sera comme dans un défilé. Chaque messager avec ceux qui ont cru ce message. Nous serons avec frère Branham, oh Dieu Tout-Puissant, à la tête de notre groupe. Avec sur notre poitrine le sang de Jésus-Christ, le message de notre heure. Oh Seigneur, nous soupirons pour ces jours-là, Seigneur. Nous voulons vivre pour ces jours-là. Un de ces jours, nous te verrons face à face. Oh, quelle consolation! Alors tu essuieras nos larmes et nous irons festoyer avec toi dans la salle des noces. Béni sois-tu, Père. Reçois la gloire, l'honneur. La puissance, l'adoration, l'élévation, l'exaltation, nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Et nos cris de joie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Amen. Amen. Seigneur Jésus, aide-moi, aide mes frères et mes sœurs à ne jamais faire de compromis avec ta parole. Seigneur Jésus, pardonne nos insuffisances, que nous soyons ramenés à notre héritage. Nous voulons être des croyants vertueux, obéissant, des croyants pleins de foi. Et je crois que tu as exaucé cette prière, car nous l'avons demandé dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.